Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Spa-Francorchamps pour ce premier numéro d'F1 Simu Hot Lap avec Aurélien sur sa Ferrari. On va regarder tout de suite les réglages qu'il va utiliser pour ce tour de qualification. 1-1 en aéro, évidemment, pour favoriser la vitesse de pointe. Il va y en avoir besoin. 48-52 élevé petit, c'est du grand classique. Équilibre 1-1, pareil, suspension 1-1-11, ça c'est comme d'habitude. La boîte, vous verrez qu'il a choisi une boîte plutôt courte avec le 7ème rapport à 330. C'est quand même très intéressant dans toutes les parties sinueuses du circuit. Alors on perd un petit peu dans les deux lignes droites, mais en course c'est très important d'avoir une boîte plutôt courte. 3 tours de carbu, normal, c'est toujours comme ça, sinon c'est impossible de faire un bon temps. Et les deux premiers à gauche, deux premiers à droite, pareil, c'est du classique. Allez, c'est parti, on regarde son tour. Et voilà, messieurs, dames, on se retrouve pour analyser un petit peu ce tour. Alors, ça commence évidemment dans la chicane avant le tour lancé pour bien préparer le tour. Donc, c'est parti. Le premier droite, on s'en fout un peu. C'est plutôt bien sortir du gauche, ne pas patiner, surtout pas. Et vider le kers et ouvrir le DRS pile poil au bon moment. Voilà, on relâche le kers au moment de passer la ligne. Il y en aura besoin un peu plus tard. On freine le plus tard possible au premier virage. Voilà, petit arrêt sur image ici. Il n'y a pas besoin de monter sur le vibreur de droite. Ça peut déstabiliser un petit peu la voiture. C'est pas nécessaire. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est utiliser toute la largeur de la piste à la sortie. Et là, interdiction absolue de patiner à la sortie. C'est primordial. Pour simplifier, on va dire, pour moi, il y a trois virages très importants dans le tour. Et celui-là en fait partie. C'est le premier.
puisque c'est la plus longue ligne droite du circuit qu'il y a derrière, et il faut sortir le plus vite possible d'ici, sans patiner. Et là, on va regarder Auré qui vide son kers à partir de la troisième vitesse. Dès qu'il sent qu'il n'y a plus de risque de patinage, on vide le kers, on ne réfléchit pas. Voilà, il a tout enlevé pour passer au pied du raidillon. Vous voyez, il allume en vert ses vitesses. Ça veut dire qu'elle ne va pas brouter sa septième une fois qu'il sera dans le raidillon, et ça, c'est très important. Là, il faut sauter sur le kers, sur le DRS, pardon, dès qu'on passe la ligne. Le moins de dixième est important. Et là, on se prépare pour ce freinage. Donc, très très tard. Vous voyez qu'il se met même carrément sur le vibreur, alors c'est un petit peu dangereux. Je pensais pas d'ailleurs qu'il allait dessus, parce que vous pouvez bloquer un petit peu la roue, donc faites attention. Pour ceux qui sont un peu moins fous, vous pouvez rester quand même les 4 roues sur le bitume. Mais surtout, on freine tard, on rétrograde très très vite, et on essaie d'aller chercher les deux roues de droite sur le vibreur à la corde. Faut pas monter plus, déjà parce que c'est un petit peu illégal, et en plus ça va déstabiliser la voiture pour rien. Là, on essaie de pas trop sortir trop à gauche, histoire d'ouvrir un petit peu l'angle du virage de gauche, sinon vous allez être un petit peu dans la merde. Voilà, on essaie de garder de la vitesse. Et pour prendre le dernier enchaînement droite, le plus vite possible, faut absolument pas ralentir ici, il faut le passer en quatrième puis cinquième, pour garder de la vitesse et arriver sur, je connais pas le nom du virage, sur cette petite épingle à droite. Voilà. Alors là, il le prend extraordinairement bien. C'est-à-dire qu'il est resté à gauche un petit peu plus longtemps que certains. Il est rentré au point de corde et dès le point de corde, il arrive à reprendre un petit peu l'accélérateur et à maintenir une bonne vitesse dans le virage. Et là, il faut préparer la sortie. Utiliser toute la largeur de la piste tout en pensant que derrière, il y a un gauche. Donc il faut vraiment faire un zigzag, quoi. Faut être le plus à gauche possible et revenir à droite pour préparer ce gauche. Voilà, en quatrième. Donc là, 4 roues dehors, mais bon. C'est très très proche de la ligne, c'est pas très grave. Là, on met un petit arrêt. On arrive à Pouhon, ce fameux double gauche. C'est pour moi le deuxième virage très important de ce circuit. Il paraît pas grand-chose comme ça. Il y a pas, c'est pas un freinage. Cela dit, si vous ratez ce virage, si vous ralentissez un petit peu trop, vous allez perdre un temps considérable, 5 dixièmes facile. Il faut vraiment essayer de le prendre le plus vite possible. Et là, Auré, il va nous faire un très très beau virage. En sixième et il va pouvoir passer la septième très tôt tellement il a gardé de vitesse. On va regarder ça. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Il touche pas le vibreur intérieur. Enfin, l'herbe, ça sert à rien. Ça peut déstabiliser la voiture. Là, on arrive sur le droit de gauche. Alors là, je vais vous avouer que je suis vraiment admiratif de ce qu'il fait parce que moi, j'ai jamais réussi à le passer en quatrième sans perdre la corde. Donc, je vous le dis, si vous le passez en troisième, vous perdrez pas trop. À condition de s'en servir uniquement pour aller choper la corde et d'accélérer par contre intégralement en quatrième. Vous ne servez pas de la troisième pour accélérer, sinon c'est que vous avez perdu trop de vitesse. Donc on continue. Voilà, parfait, il touche un peu le vibreur. Pareil, à gauche, on touche un peu le vibreur. On essaie de sortir, mais pas trop trop large quand même. Et là, ce virage, le droite là, c'est pour moi le troisième plus important du circuit. Il est difficile parce qu'il est en dévers. Il faut pas non plus se mettre trop à gauche, faut pas freiner trop tard parce que sinon vous allez bloquer les roues. Il faut, voilà, faut surtout préparer au mieux la sortie de virage parce que derrière il y a une montée qui est terrible. Et comme on a mis tout le kers dans le premier secteur, si vous vous plantez là un petit peu en termes de sortie de virage, bah, c'est terminé, vous pourrez plus rien faire derrière. Donc là, aurait parfait. Ouais, il a réussi à reprendre l'accélérateur très tôt. Et du coup, il accélère en quatrième sans problème. Là, bon, il y a juste à garder sa ligne, hein, c'est pas compliqué. Mais bon, encore faut-il ne pas donner d'un coup dans le volant. Il faut être très très doux là. Dans le virage qui arrive, le gauche là, hop, voilà, c'est parfait. Il monte un petit peu sur le vibreur sans plus. Mais un à coup, il pouvait perdre de la vitesse. On s'arrête là pour préparer la chicane. À droite, vous avez vu un petit panneau Rolex vert. Et à gauche, les panneaux traditionnels 150, 100 et 50. Alors là, faut freiner. Je sais pas trop exactement où il va freiner d'ailleurs. Faut freiner un petit peu avant le panneau 100 mètres normalement. Et là, l'important c'est de pas se planter dans les vitesses. Faut aller chercher la première, pas trop tôt non plus parce que sinon vous allez glisser. Faut aller chercher la première, freiner le plus tard possible puisque de toute façon la vitesse de passage dans le droite n'est pas importante puisqu'il y a un gauche juste derrière. Ce qu'il faut surtout c'est préparer le gauche. Préparer le gauche, du coup pour ça, Auré, il va rester, je pense, le plus à droite possible. Voilà, il ressort pas trop à gauche, il va chercher le vibreur. Et là, à l'extérieur, il utilise toute la largeur de la piste. C'est le même problème qu'au virage numéro 1. Si vous prenez pas toute la largeur de la piste, ça veut dire que vous n'avez pas été assez vite. Et vous allez avoir en plus du mal à accélérer correctement. Là, quoi qu'il arrive, vous allez avoir du mal à accélérer bien.
Vous allez être en première, puis en seconde. Et au niveau de la seconde, elle va patiner parce que vous êtes sur le vibreur. Le gros piège surtout, c'est de ne pas mettre la troisième à ce moment-là, quoi. Il faut accepter le fait que vous êtes en seconde et que vous allez devoir y rester quelque temps. Et Auré va le faire très bien, il va rester très longtemps en seconde, vous pouvez voir. Voilà, il l'a fait hurler jusqu'à ce que la troisième soit efficace. Sinon, c'est trop tôt. Et là, le DRS le plus vite possible, et puis on passe à une 44-7. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a peut-être des trucs à améliorer, j'en sais rien, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, monsieur, dame, merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un prochain Hot Lap. À bientôt.